Et salut Lou, c'est Gemino pour Evasam Studio. On est là aujourd'hui pour un let's play sur Pokémon Crystal. Un let's play qui sera rapide. Car c'est en effet une race entre différents membres de l'équipe d'Evasam Studio, évidemment. Donc l'objectif, ça va être de finir pas le jeu, il va falloir finir la ligue le plus vite possible. Et ah bah tiens, on commence direct avec une spécificité de Pokémon Crystal, c'est qu'on pouvait choisir si on était un garçon ou une fille pour la première fois dans les jeux. Donc en hommage à ça, je vais prendre la nana. Hein quoi, tu m'as réveillé? Mais quelle heure il est? Quelle heure il est? Bonjour. Il est 1 heure. Ouais, il est jour 1 heure. Combien de minutes? 29. Vite, j'ai dit qu'on devait se dépêcher. Vite! Salut prochaine, comment tu vas? Bonjour, désolé de l'attente. Bienvenue dans mon ancien vieux. Mon nom est Shen. On m'appelle le prof Pokémon. Le monde est peuplé de créatures appelées Pokémon. Je fais le même speech à chaque début de partie, mais c'est pas grave. D'autres font des combats avec eux. Mais il reste beaucoup à apprendre sur nos amis les Pokémon. Nombreux mystères planent à leur sujet, et c'est pourquoi je Pokémon de tous les jours. C'est quoi donc ton nom? Alors ça va faire un peu transgenre, mais j'ai quand même m'appelé Game, hein, même si je prends la nana. Ne me jugez pas! Game, ta quête est sur point de commencer. Joie et péril paveront ta route. Un monde de rêves, de danger et d'en avant à plus tard. J'espère ne pas me tromper hein, dans les dialogues. S'il y a une potion à les récupérer. Pas de potion à la récupérer. Bref, on ne va pas perdre de temps. Bonjour maman. Ah Game, notre voisin le professeur te cherchait. Il voulait que tu quelque chose pour lui. Oh j'ai oublié, ton matos Pokémon est revenu de chez le réparateur. Tiens. Merci maman. Le spam. Vous l'entendez le spam. On est quel jour? On est samedi aujourd'hui je crois. Ouais, blablabla. Oui, je sais comment on utilise un téléphone, maman. Nous sommes en 2016, bordel, on est même bientôt en 2017. Oh, c'est qui? Bonjour, Gam, je suis de passage. T'es au courant? Ma fille venir récemment du Proform. Elle adore les Pokémon. Ah, super, on va trop être copines, quoi. Bonjour. Game, te voilà, j'ai un service à te demander. Je fais de nouvelles Pokémon sur les recherches qui me manquent. Vois-tu, j'écris une grande conférence pour certains points restent mystérieux. Donc, j'aimerais que tu entraînes un de mes nouveaux Pokémon. Oui, bien sûr. Évidemment que je suis chic. Vous essayerez pas de me draguer quand même. Oh, j'ai reçu un email. Ok. Écoute, voir, j'ai un ami de mon monsieur Pokémon. Il découvre sans cesse de drôles de trucs. Il vient de m'envoyer un email disant qu'il a quelque chose à me montrer. C'est tentant, mais j'ai vraiment trop de travail. Attends, je sais. Tu peux y aller pour moi. Je veux que tu entraînes l'un des Pokémon dans ses balls. Allez, choisis. Eh, je vais prendre pas Hérissant, renom. Je veux pas le Pokémon de feu. Mais j'ai perdu le Pokémon que je... Enfin, évidemment, c'est le blablabla. Non, je veux pas Kaiminus non plus. Non. Voilà. Je veux Germignon. Parce que Germignon... Il est trop mignon. Non, je vais pas donner sur moi mes Pokémon. J'ai la flemme. Monsieur Pokémon vit après Villegrille, la ville voisine. Sous droit, tu peux pas te perdre. Mais on sait jamais. Prends mon eau de téléphone. Ils avaient vraiment la flemme d'écrire tous les dialogues, enfin tous les mots. Tiens, Flamantel. Tu vois, je suis un peu jeune dans ma tête, alors je parle... Bref. On reçoit la petite potion des familles. Bonjour monsieur, qui êtes-vous? Bah, c'est donc le célèbre labo Pokémon du Proform. Mais qu'est-ce tu mates? Oh putain de merde. Pardon, pas de gros mots. Oh, fiche trop diantre que cela m'arrache la routine. Et c'est le premier jeu Pokémon aussi où on a les panneaux des routes qui s'affichent. Là, on est sur la route 29.
Bon, n'oublie pas que le principe c'est d'aller vite, hein, quand même. C'est une race. Même si ça reste pour le fun. Premier Pokémon aussi où les Pokémon ont des animations. Bon là, on va prendre de l'XP, parce qu'on sait tous ce qui va arriver dans pas longtemps, hein. Vermillon, tu es nul. Tu es très nul. Ceci est un Roku au niveau 2. Et me dis pas qu'il a une nature plus défense, parce qu'il n'y avait pas de... Oh, la barre d'XP. Ah oui, c'est vrai. Il y avait déjà la barre d'XP à l'époque. Oh. Il y a trop de Pokémon. Eh, c'est vrai que moi, je vais être désavantagé par rapport aux autres. Parce que moi j'ai Pokémon Crystal avec les animations de combat, etc. Mais les collègues, ils ont or et argent. Mon dieu. Je vais décompter le temps des animations au montage. Ah, un critique qui fait bien plaisir. J'aimerais bien juste monter niveau 6 en fait. Cela m'arrangerait fort beaucoup. Ville griotte. Ah oui, c'est vrai, là, le PP ne nous donne pas les... Il n'y a pas de chaussures de course. Non. Puis-je voir vos Pokémon au singulier? Merci. Alors, dans l'objectif de la race, hein, je gage que vous connaissez tous le jeu. Enfin, l'inverse serait fort... fort bizarre. Mais du coup, je vais pas parler au PNJ, hein, parce que on s'en fiche. Le seul PNJ auquel on n'est pas obligé de parler, auquel je vais parler, ça va être le vendeur de bicyclettes. Les noix de Grimble, on s'en fiche. Fallait vite, 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 vite. Non, on coule niveau 4. Oh, ça va être long. Ça va être long. Ça va être très long, surtout pour moi. Ouais, gros cool. Pourquoi tu me fais tant souffrir? Tu n'es qu'un gros cool. Ah, c'est lent. Une fois qu'on aura pris des niveaux, ça ira beaucoup plus vite. Ah oui, on pouvait tenir des objets. Ah, on pouvait déjà tenir des objets, j'avais complètement oublié ça, mais c'est génial. Oh, ça va être easy. Et du coup, est-ce que les dresseurs importants, entre guillemets, peuvent... Ah, niveau 6, trancherbe, je crois. Ah non, pas trancherbe, bon d'accord. Antidote. Oui, est-ce que les dresseurs importants feront porter des objets à leurs Pokémon? Genre les champions d'arène, les conseils 4 aussi. Ce serait pas mal. Hey, tu dois être game, Proform a dit que tu viendrais. Voilà ce que je voudrais que le Proform examine. Neuf mystères dans l'objet. Alors, je connais un ami qui a déjà une pension pour Pokémon. Ils m'ont donné cet œuf. Il a paru louche, alors j'ai écrit au Proform. En ce qui concerne les évolutions de Pokémon, le Proform est incollable. Même le Prof Shen le reconnaît. Bref. Hey, salut. Ah, c'est toi, Game. Moi, je suis Shen. Je suis un chercheur Pokémon. T'es venu rendre visite à mon vieil ami, Monsieur Pokémon. M'a dit que tu rendais service au Proform, alors je t'entendais. Ah, c'est quoi ça? Un Pokémon rare? Oh, je vois, je comprends pourquoi le professeur t'a confié un Pokémon dans cette mission. Pour des chercheurs comme moi, et le Proform, les Pokémon sont des amis. Il a tout de suite compris que tu feras attention à ton Pokémon. Ah, on peut te faire confiance. Adieu, me rendre service. Ah, ça, c'est une nouvelle version du Pokédex, il enregistre automatiquement les données sur les Pokémon vus ou capturés. Une encyclopédie moderne. Reprendre le souffle. On compte un maximum de Pokémon et complète le Pokédex. Bon, je dois y aller. J'ai une émission de radio à faire à Doublonville. Game, je compte sur toi. Tu retournes dans le Proform. Tiens, le Pokémon devrait se reposer. Ouais, compte sur toi. Ah. Coup de fil. Game, c'est terrible, c'est affreux. Que faire? Non, reviens vite.
admirez mon magnifique jeu d'acteur et de doubleur professionnel, j'ai fait ça toute ma vie. Si jamais vous avez besoin de moi, vous pouvez me contacter au... Au nulle part, en fait. Oh, je veux nulle part. Bon, on va le battre. On va le battre parce que je sens que... voilà. J'ai un petit mauvais pressentiment, vous voyez. J'ai un mauvais goût, là, sur le bout de la langue, ça me... Alors par contre, oui, c'est une race, mais je vais pas enlever les animations de combat, sinon ça va être chiant. Parce que les animations, sont, de mémoire, elles sont pas mal, hein, pour de la 2G, ça va. Hein. Comparé à la première... Vite, faut aller voir le prof Homme, sauf qu'on a pas de chaussures de course, parce que c'est un jeu 2G. Mais je me dépêche quand même. Vite. Oh là là, oh là là. Là, un Pokémon du labo. Du gâchis, ouais, moi vite comme toi. Bon, je t'aime pas. Je vais te montrer le bon Pokémon que j'ai, moi. La musique. Dans la peau. Pardon. Oh mais la musique. Non mais on apprécie la musique là. Attendez. On a la même vitesse en plus. Oh putain, c'est au speed time. Vite. Alors sachant que lui il a gros yeux. Et moi j'ai que rugissement. Après il m'enlève 3 PV, par 3 PV j'ai une potion. Allez, ça va être easy. Ça si je me prends un coup critique. Parce que le coup critique il ne va pas prendre en compte sa baisse d'attaque. Donc je mourrai. Ce qui serait passablement... délicat. Jamais on gagne 69 points d'expérience. C'est niveau 7. J'ai toujours pas tranchère. Je croyais que c'était au niveau 6 qu'il a pris. Alors la joie. Mon nom est triple point d'interrogation. Je serai le plus grand dresseur de Pokémon du monde. D'accord. Alors. Petite anecdote stupide. Oh non, je vais pas la revenir. En attendant notre labo, je vous raconte cette débilité magnifique de mon enfance sur ce jeu. Enfin, de mon enfance. Ouais, bon. En fait, j'ai commencé Pokémon avec la 3ème génération. Enfin, je veux dire, vraiment commencé Pokémon. Là, on va passer les dialogues, hein, on s'en fout un peu. Mais avant, j'y jouais quand même un petit peu sur les cartouches de mon frère. Donc, notamment Pokémon Crystal. Sauf que il me dit qu'il s'appelle triple point d'interrogation. Du coup moi, comme j'étais con, bah je l'appelais triple point d'interrogation. Je suis un génie. Hein. Oh c'est affreux, quelle la grande découverte de Monsieur Pokémon. Et donc voilà. Moi Silver il s'appelle triple point d'interrogation. Quoi, le prochain tandem à Pokédex, c'est vrai, mais c'est incroyable, il œuvre pour trouver les bons Pokémon plein d'avenir. Les bons dresseurs plein d'avenir, je suis pas un Pokémon, moi. Non mais oh. Oui, ma maman. Ah. Ah, les Pokéballs. Merci, monsieur. Tu es gentil. Oui, je sais comment capturer un Pokémon, merci. Bonjour maman. Oh quel joli Pokémon, où tu l'as trouvé? Alors t'aimes l'aventure quoi. Ok, je vais t'aider. Mais que faire? Je sais, je vais économiser pour toi. L'argent c'est important. Tu sais que j'ai une économie pour toi? Oui maman. Oui, 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 je sais. Écoute, dans une précédente vie j'étais hein. Voilà. Je sais pas ce que j'étais mais je l'étais. Bonjour monsieur. Je connais toi. Combien de Pokémon t'as attrapé?
Tu veux que je te montre comment on attrape des Pokémon? Oh oui, on peut lui dire non. Enfin, oh non, on peut lui dire oui. Enfin, ouais, bon, bref. On va pouvoir commencer à attraper des Pokémon. Et les Pokéballs, c'est un grand soulagement parce que la deuxième génération, on peut trouver des Pokémon chromatiques et des Pokémon shiny. Et ça, c'est cool. Oui, oui. Allez. Avec des roues cool. Non. Mais la musique, elle est bien entraînante et tout et tout. Ah, enfin les nouveaux Pokémon. Bon, Fouinette, j'en veux pas, hein, clairement. Par contre, je vais essayer de capturer un Pokémon ici. Alors, ce sera peut-être une perte de temps. Voilà, route 46. Mais... on sait jamais. Il pourrait beaucoup m'aider pour l'arène. Exactement, Rattata, c'était lui. Eh oui! Non, pas du tout. Ça va être un Pokémon qui va être plutôt facile à XP, normalement. Pas Piafabec. Allez, c'est l'autre. Quand je dis l'autre, c'est pas l'autre Piaf, hein, c'est l'autre Pokémon de la zone. Il semble qu'il y a 3 espèces de Pokémon là. Ah, voilà. Même si le niveau 3, hein, le fait qu'il est type proche, ça au tout début, ça va être hyper utile, surtout pour la première arène où on est plutôt désavantagé, vous verrez très bientôt. La caillou en charge. Bon, moi je lui fais mal parce que je suis niveau 7 quoi. En vrai plus tard il va prendre un PV par un PV en fait contre les Pokémon sauvages. Oh. Qu'est-ce que je disais, ça va être horrible. On va essayer de lancer une Pokéball tout de suite. Pas perdre de temps. Brut, brut, brut. Yeah! Alors honnêtement, Rakeyou, je vais m'en servir que pour l'arène, après c'est tout. Fiers de leur corps résistant, ils se jettent les uns contre les autres pour être les plus forts. Alors, si là ça s'entend, moi j'ai un peu le nez bouché, je m'en excuse. Petite coupure. Ah, désolé. Rakeyou, non, je vais pas donner de surnom à mes Pokémon parce que je n'ai pas d'idée pour leur surnom. Voilà, 15 PV, voilà, ça, c'est pas beaucoup, mais en même temps il prend un PV par un PV. Bon, sauf si par hasard on croise des dresseurs qui ont des Chétiflores dans pas très longtemps, mais je veux dire, ce serait vraiment dommage et drôle que ça arrive, n'est-ce pas? Hop, on fuit, de toute façon, il va y avoir des dresseurs dans pas si longtemps. Pas oublié, hein. Ah! Non, je perds du temps! Bon, allez. On va s'entraîner, hein. Parce que bon, Rakeyou niveau 3. Il va quand même prendre cher sur la première arène s'il reste niveau 3. Donc on va XP les Pokémon qu'on croise. Enfin, on va tuer les Pokémon qu'on croise pour XP plutôt. Dans ce sens-là, c'est mieux. Hey. Apprends à parler, Gael. Et 23 points d'XP, bon ça remplit vite hein, du coup vu qu'il est à bas level. Hop là on va laisser un Pokémon, hein. C'est pas 30 secondes hein, qui vont nous faire mourir non plus. Alors une chose dont j'ai pas parlé, c'est la durée des épisodes. Parce que là ça fait quoi, à peu près 20 minutes à peu près que je suis avec vous.
Les épisodes feront entre 25 et 30 minutes en général. En général. Si jamais au bout de 30 minutes, je suis en plein milieu d'un instant décisif ou quoi. Ah bon, je vais continuer quoi, je vais pas vous faire. Eh, attendez, c'est la fin de l'épisode là. Oh. Ouais, hein? Oh, qu'il est beau le lavabo quoi. Non, voilà. Et il y a rien d'autre à acheter. Voilà, quelques emplettes, ça fait du bien. Hop, route 30. Pour la deuxième fois, on y est. Cœur de roue cool, qu'on va battre. Quoique, je peux peut-être me faire... Ouais, je vais me faire les dresseurs, en fait. Parce qu'il y a 4 dresseurs jusqu'à la prochaine ville. Et je pense que Rakaillou peut se les faire facilement. Sauf si la maman, il passe 15 tours à pas réussir à s'enfuir. Ce qui aurait quand même été regrettable, hein. On va pas se mentir. Niveau 4. Je tentais de les tuer, hein, parce que ça fait de l'XP, quoi, mais bon, je perds un peu de temps. De toute façon, les dresseurs, va quand même falloir que je me les fasse. Allez, let's go. Ah! Apparemment, on est parti pour avoir un Pokémon pour chaque tas d'herbes. Hop, on arrive à fuir, c'est parfait. Bonjour. Je viens de perdre et j'essaie d'attraper plus de Pokémon. Au fait, t'as l'air faible, toi. Combat ! Je me suis fait mal à la gorge. Je m'appelle Gaspard, sinon. Tiens, moi, Ratata. Cassuil, Furon. Oh zut. Et derrière, Rakaillou. Merde. Oh, je vais faire. En plus, sur un tapis des gars. Le suspense intenable des premiers combats Pokémon, beaucoup de spam charge. C'est passionnant. Enfin bon, c'est easy quoi. Bon, avec ses mimiques, oui, bon, peut-être pas. Mais... Voilà. La mimique, là, non, si je rate pas, je le tue et j'ai pas vu s'il a deux Pokémon ou un seul. Je crois que c'est celui qui en a qu'un. Voilà, 48 points d'XP, c'est gratos. Voilà. Corps perdu. Deux flûtes. Bonjour, es-tu gamin Farouk? Je cherche un gamin Farouk. Non, il s'appelle Marin. Il y a un coup niveau 2 qui ne va pas faire très long feu, hein. Hop, et on spam comme d'hab. Vivement qu'on prenne des levels, qu'on ait plus de Pokémon, qu'on ait plus d'attaques. Parce que là, c'est quand même insane, hein. Je pensais que ça aurait été plus simple, là. Mais je rate beaucoup de charges, je trouve. Niveau 5, oui. On n'apprend aucune attaque. Pour Ratata, on peut continuer, hein. Notre attaque est niveau 4. Je pense qu'on va passer niveau 6. Thank you.
Ah. Elle level 6. Yeah. Bon. Boule armure, bro. Pas mal. Pour nous aider pour les combats plutôt longs. Bizarre, j'avais cru. Ah là là. Hop, toi, tu n'es pas une dresseuse. Je m'en souviens. Toi, tu en es un. Hein. Tiens, t'es qui, toi? Je suis la mort. Jean-Raoul Scout. Bonjour, Jean-Raoul. Comment vas-tu? Est-ce que tu le vis bien, ton prénom? Non, pardon. Bon, baisse-moi en vitesse si tu veux. Ça ne change rien et je rate encore ma charge. J'ai une chance sur 20 de le rater. S'il vous plaît. Allez, on y croit. Je crois en toi, Racaillou. Voilà, j'avais raison de croire en toi. C'est bien, Racaillou. Bah oui. On tient notre uniforme. Non, je reste. Parce que le son de la cloche est bien trop doux à mes yeux pour que je le laisse. En fait, c'est horrible. En fait, c'est juste que... Voilà, là, je vais utiliser ma potion. Je suis un petit peu radin sur Ivor, quand même. Oh, le coup critique. Ah, ça va. Et le niveau 7. Alors, je ne sais pas à quel niveau tu apprends jeu de pierre, mon cher Racaillou. En tout cas, le roi a une potion. Oh, Racaillou. Légère mignon qui ressemble à un mystère, bon. Les Pokémon n'avaient pas leur icône, c'est dommage. Oh, 31. Hop, saisi. Une potion, tant mieux, ça rembourse. Hop, toi tu es un scout, je crois que tu as 4 Pokémon. 3 Chenipans et un Spico si je dis pas de bêtises. Pour l'instant, j'ai raison. Et on recommence le spam. Voilà quoi. Quand je dis qu'il prend 1 PV, voilà. C'est bien parce que 1 PV, c'est le minimum qu'on peut prendre. Chenipan encore une fois. Combat passionnant. Le suspense est insoutenable. Au moins je l'ai tout shot. Ça m'aurait vraiment embêté qu'on doive taper 3 fois pour les tuer. Par contre lui. Poison. Bah ouais. Il a la même vitesse que moi, alors que je suis niveau 7. Oh. Eh non. C'est dommage, il faut le trichot, mais ça va, c'est des PP qu'on a tout plein. Alors let's go, vite. Je vais arriver à mobile. Hop. Charge si tu veux. Hop, moi je fais charge aussi. Il reste que 6 pp de charge hein, quand même. Donc là plus que 5. Si je sais bien compter. Maxime Scout a perdu. J'ai gagné 32 Pokédollars, je suis riche. On trouve une Pokéball avec un E accent aigu. En minuscule. Oh le flash. Oh oui le flash.
Oh, le Flash. Est-ce que vous l'aimez, le Flash? Non, on écoute la musique après. Ah. Et voilà, nous sommes arrivés à Mauville. Elles sont sympas les musiques quand même. Je suis pas trop fan des musiques sur Game Boy, mais celle-là, franchement, j'ai rien à redire. Ah, c'était le tout étant, comme diraient certains. Je vous remercie d'avoir regardé cet épisode jusqu'au bout. Je vous invite à regarder l'épisode 2 quand il sera sorti, évidemment. Et je vous invite aussi à regarder les épisodes de mes collègues pour voir qui est le meilleur. Oh là là, oh là là, oh là là. En attendant, je suis en train de perdre du temps. Vite, faut que je raccourcisse mon outro, non! Bref, merci à vous d'avoir regardé, à la prochaine sur Viva Sam Studio!